Je ne parle pas et espère trouver un jour le chemin de cette forme de langage. Nous sommes soumis à l'invitation au voyage identitaire tout en construisant nos rapports à nous-mêmes et à la vie. Écrire m'aide à me structurer socialement et mécaniquement. L'écriture jaillit par intempérance, goutte à goutte, du fond poétique de l'ivresse des mots. Dans la folie de l'obéissance d'être en vie, j'accuse l'infinie gourmandise jubilatoire de mon cerveau de m'inonder du désir impalpable de jouer avec les lettres et raconter l'invisible qui vit en moi. L'écriture a rempli mon espace et j'adore la sensation de me sentir en vie dans cette extase identitaire de partager mes mots. Hélène Nicolas, dite Babouillec, autiste, sans parole.